Yo, salut à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, c'est une course créée par FanRob, Death Purple. Donc, vous trouverez le lien de la course en description, ainsi que le YouTube de FanRob. Donc, pour cette course, on est en direct. Ouais, on est en direct. Et en plus, FanRob, il est là. Donc, moi, je vais prendre ma petite Osiris, tranquillou. Donc, je suis donc avec FanRob, le créateur donc, de cette course. Très bon créateur. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller sur son social club et de regarder toutes les courses qu'il a pu faire jusqu'ici. Elles sont, pour la plupart, juste géniales. Et on se retrouve donc bah, juste Poupi et FanRob. Donc, on se retrouve à deux. Je pensais qu'on était trois. On n'est que deux. Bah, écoutez, c'est un plaisir de faire cette course avec lui. Bon, je vais sans doute terminer deuxième. Mais bon, le but étant toujours le même, de vous faire découvrir des courses casse-cou. En l'occurrence, des courses de FanRob. Voilà. Donc, c'est une vidéo où j'enregistre en direct. Je me suis enfin démerdé pour pouvoir le faire. Donc, ça va être beaucoup plus sympa. Bon, la course, je la connais déjà. Je vais pas vous mentir, je l'ai faite juste avant. Et d'ailleurs, je l'ai pas terminée parce que j'ai galéré. Je galère pas mal sur cette course, mais bon, elle est superbe. Hein, elle est vraiment superbe. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Donc, FanRob, lui, a pris une T20. Et donc le thème, hein, vous avez bien compris, Death Purple. Donc voilà, tout est en violet, donc c'est très joli, c'est assez magnifique. Hop, premier jump, regardez ça, si c'est pas beau ça, hein, c'est magnifique, beau travail. Oula, ça par contre, réception de merde. Ah bah je suis pas le seul. Hop, je te redouble FanRob. Allez, c'est parti, premier tube, on y va. C'est parti, mon kiki, comme dirait mon garçon, mon fils. Voilà, là on va devoir changer de tube avec des accélérateurs qui... Ouah, c'est passé, ça passe pas toujours ça. Des accélérateurs qui étaient dans le vide. On descend le petit looping, tout ça machin. Hop, on change de tube. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Pourvu que ça dure. Ça serait pas mal. Alors là par contre, attention, ouais voilà. On va essayer de pas trop se cogner. Impeccable, c'est bon. Alors après c'est quoi? Oui, après c'est un petit looping encore en tube et on retombe sur la route il me semble. Voilà, super. Alors là c'est la première difficulté pour moi. Parce que je suis mauvais, hein, faut bien le savoir, hein, dans les wall rides, tout ça, je suis très mauvais. Et là, je galère un peu sur ce truc-là. Hop, on va voir, ça passe. Ça passe. Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien même. Ça pouvait durer. Ah, si je pouvais battre FanRob sur sa course, ah, je ne serais pas peu fier. Hop, on va voir comment ça va se goupiller ici. Alors ici, des fois, je me cogne. Voilà, faut bien passer. C'est bon, je suis bien passé. Ah, c'est magnifique ce qu'il a fait, franchement. C'est très intelligent. C'est vraiment un... Ah, c'est un de mes créateurs favoris, largement même. Et de loin, quoi. Avec The Dad, et puis bien d'autres encore. Mais vraiment... Oh là 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 là, je passe. Mais alors, je passe façon couillu, quoi. Et il a mis des petits ballons et des petites boules. C'est super sympa. Il doit pas être loin derrière moi. Pour l'instant, je vous avoue que je suis très concentré. Ah, quand même, j'ai un peu d'avance. Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien, on va dire. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, FanRob, je sais que tu regarderas sans doute cette vidéo. Si je te bats sur ta course, ah, je serai content. Ma journée sera totalement réussite. Allez, on continue. Faut rester concentré parce que je suis capable de me planter. Ah, et ça, c'est parfait. Ça, c'est nickel aussi. Le côté tortue, on retourne la voiture, on retombe. Enfin, franchement, je me répète, mais super. Bravo. Bravo, bravo, monsieur. Allez, premier tour. Je sais pas combien il y a de tours, par contre, c'est pas moi qui... Trois tours. Ah ouais, trois tours. Bon, bah, trois tours, alors, hein, écoute. Hein. C'est parti. Le premier s'est extrêmement bien passé. D'ailleurs, c'est la première fois que ça se passe aussi bien. J'ai dû la faire deux fois avant de... Ça va être ma troisième fois. Oh, ça passe. Alors, ça passe au poil de cul près, quoi. Pouh. Ouh, je suis en mode châteux là. C'est bien ça. Hop là. Allez, c'est reparti. On continue. Là, c'est un passage que j'aime pas trop. Là, faut bien être droit parce que sinon on part en couille et c'est bon, ça passe. Super. Bon, écoutez, pour l'instant, on est pas mal. Hein, là. Ça passe à l'aise. Ah, elle est vraiment belle en plus cette course, elle est agréable. Déjà, elle est agréable à la conduite parce que ça speed, il y a plein de petits trucs pour bien s'éclater.
Et en plus, elle est vraiment jolie, hein. Le thème violet. On en revient à ce que je disais dans la dernière vidéo. On peut vraiment faire des vidéos, enfin des courses à thème plutôt, grâce au nouveau module de la mise à jour casse-cou. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. D'ailleurs, à propos de mise à jour, il y a une rumeur qui traîne en ce moment. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur. Attendez, là, je me concentre. Hop. Parce que là, c'est vraiment ce que je déteste le plus. Voilà. Et là, vous voyez, je suis capable de rester 10 minutes ici. La course, pour moi, est tout. Je peux m'arrêter ici, en fait. Clairement, je peux m'arrêter ici. Parce que ce passage-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal. Tout à l'heure, je l'ai bien passé, certes. Donc là, ça devrait passer. Non! Oui. Oh là 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 là. Chaud, 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 chaud. Et voilà, il y a une rumeur en ce moment qui dit qu'il y aurait une extension de map pour l'année prochaine sur GTA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner parce que c'est quand même très intéressant comme info. Ce serait vraiment cool. Là, il ferait fort, franchement, de la map, elle est immense. Mais alors, de la mettre encore plus grande, ça serait vraiment, vraiment, vraiment super. Oh non, mais je suis un plot. Je suis un plot. Je suis un plot. C'est pas possible. Eh, Fanrom me repasse devant. Non, j'ai envie de te battre. Et puis maintenant, s'il est devant, je suis dans la merde pour le rattraper. J'ai plus droit à l'erreur, quoi, grosso modo. Lui, c'est sa course, il doit forcément avoir l'habitude de passer ça. Allez, allez, concentration. Oh la vache. Ah là 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 là. C'est pas possible, c'est pas possible. Allez. Jamais 203, mais bon, non, non. Jamais 200, rien du tout. On passe. Là, je me plante pas. Je passe à l'aise, tranquille, vous allez voir. Je le sens bien, là. Allez, allez. Allez, allez, on monte un peu, on contrôle un peu la trajectoire. Allez, 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 on est bon, là on est pas mal, on est pas mal, c'est bon. Par contre, Fanrob est parti loin devant, donc du coup, c'est la merde. Hop. Bon, on va quand même essayer de, j'espère qu'il, s'il a pas 20, 30 secondes d'avance, j'espère que je pourrai au moins terminer classé. Mais là, je me vois mal le rattraper, il faudrait qu'il fasse deux erreurs, parce que moi j'en ai fait deux. Il faudrait qu'il fasse deux belles erreurs pour que je puisse le rattraper, ce qui me paraît un peu compromis. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette course. Oula, 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 hey, oula, je sais pas ce que j'ai fait, c'était acrobatique. Mais c'est passé. Ah, regarde, il est déjà rendu au saut, là-bas, on l'a vu sauter à gauche, à droite, pardon. Ah, bah là, j'ai trop de retard, c'est mort. C'est mort. En plus, c'est sa course, certes, mais Fenrob aussi, pour avoir déjà fait une course avec lui, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une vidéo de The Dad, est un très bon conducteur également, donc forcément, j'ai très très peu de chance. Là, je dois avoir quoi, 20 secondes de retard sur lui facile, 15-20 secondes. Ou je me demande si je l'ai pas trop pris à droite. Ah non, parfait. Je suis parfait. Là. Ouais, donc je disais, n'hésitez pas à... Ah, mais la réception, franchement, je crois qu'il faut essayer d'atterrir avec les pneus en arrière avant, il me semble, mais je suis pas sûr. Voilà, n'hésitez pas en commentaire, je vais y arriver au bout d'un moment à le dire, à me dire ce que vous pensez de cette course. N'hésitez pas aussi, si vous ne connaissez pas, à aller voir la chaîne de Fenrob. Elle sera en description, le lien de la chaîne sera en description de la vidéo, bien sûr. Et hop, je ne me suis pas planté une seule fois ici, ça c'est quand même, c'est cool. Et puis n'hésitez pas surtout à aller voir son Social Club, donc sur Xbox One, bien sûr, hein, on joue sur Xbox One, et à aller... Bah, allez tester ses courses tout simplement parce que vous allez kiffer, vous allez prendre du plaisir. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est sa deuxième course casse-cou. Sa première s'appelait My First Race. Mais il a beaucoup d'autres courses avec les modules que l'on avait avant. Et avec des, voilà, des wall rides de ouf. Enfin, vraiment des. Puis à chaque fois, c'est bien pensé. Enfin, moi, j'aime beaucoup ses courses. Je les ai quasiment toutes essayées. Alors là, on arrive au truc que je n'aime pas, mais qui va passer. Eh ben 2 sur 3 ici, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai combien de secondes de retard? 27 secondes. Ah ouais, ah, il trace. Ouh, il trace sévère parce que je fais pas trop d'erreurs quand même. Ah, il trace bien. Là. Hop, allez. Et tout à l'heure, j'en ai chié ici. Est-ce que ça va passer là? Allez, tu gardes bien ta trajectoire, Poulpi. Allez, Poulpi. On y croit, Poulpi, ça va passer, ça. Ouais, ouais, je devrais pouvoir faire. Je devrais pouvoir terminer classé, à mon avis. Hop. Allez, bonjour le petit ballon. Ouais, il n'y a plus de difficulté, logiquement.
J'ai plus de raison de me planter. Je n'aurais pas battu Fenrop sur sa course, mais quand même, je me serais bien battu si je m'étais pas planté au deuxième tour comme un débile. Et ben ça passait. Ça passait bien. Comment ça, je suis passé premier, moi? Je suis premier! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis premier? Attends, j'ai freiné. Et où lui? Alors là, je n'ai pas compris. Il faudra que je lui demande. Ou Fenrop, tu me le diras en commentaire parce que tu m'as invité. Petite parenthèse, voilà, tu m'as invité en groupe, mais je suis au Maroc actuellement et ça passe très très mal. Tout ce qui est groupe. Donc c'est pour ça que je ne peux pas te rejoindre. Mais alors j'ai gagné. Je t'ai battu sur ta course. Ah, je suis content. Ouais, plus sérieusement, bah, merci beaucoup d'avoir suivi. D'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que cette course vous a plu. Encore une fois, le lien de la course et le lien du YouTube de Fenrop seront en description. Et bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.